Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable boter bah ou une nouvelle émission. Nous prenons les soubelaires parce que nous avons bon rendez-vous pour capable gagner plus de détails dans quatre batailles ici là. Mais écoutez, sous gagner bonne information, yo, on va poser des questions pour dire est-ce que c'est pas une stratégie par côté bandit armé yo pour faire croire que eh bien la police li échoué dans le cadre de tentative opération si là, ou bien est-ce que quelque part la police son cadeau li te vle pour te bay monsieur Belerio. Bien bonheur un pile coup de balle lagué et dans zone Belair entre la police avec les armés. Et bien faut me dire que gagné trois et policiers soit non un premier élément d'information fait quoi que gagné trois policiers soit qui ont même victime dans cadre opération si là gagné un syndicat la police là qui tweeté qui dit état santé trois agents soit qui blessé léger dans cadre opération la police nationale d'Haïti t'a mené bien bon matin dans quartier Bel Air à Solino yo stab beaucoup elle là et a recevoir soins Kayo mérité. Donc ça c'est en tweet par vos côtés la police pour rassurer tout le monde. Mais gon petit problème, quel est le problème? Gon vidéo. Vidéo ça c'est monsieur Belayo non capable ouais sous lit. On nous garder ensemble avec moi. Ben ti policier fatra yo, yo vin attaquer nous. Vin attaquer ti moun belé konan giet maman yo. Ma koni tag, ma koni tag, ma koni tag, vivons ensemble nié. Meni, gade ti ba yo pote ba nous gade. Plusieurs chargés dans figure. Malé avec au bas figure dit regardez. M'bal désipé valise pour nous. Ti baï marchandise, ti manchise, ti jockin mort. Meni, menan moun da nous. Derrière telis. Meni, nous pas grené nous même, nous pas faire rien mes amis. Mes amis. Nous vivons ensemble. Poser des questions pour dire, ça qui passe dans le cadre d'une opération comme ça, la police allait et la police a voué balle ensemble avec Nek Belerio. Et puis, vidéo ça, l'Obgadel l'Ita en quelque sorte montré que c'est un échec par bon côté policier. Apparemment, ça qui arrive tout, que c'est monsieur Belerio qui au même. Et mettez stratégie ça en place pour ta faire comprendre que c'est matériel la police y a récupéré. Non pas écarté possibilité ça. Mais en partie sous base que la police t'a quitté ça yo. Comment la police fait quitter ça yo? Dans le cadre d'une intervention, on est capable de dire. Parce que c'est pas opération. Une intervention. Et si yo quitté ça yo, ça qui passe, c'est que adversaire là, poilité pilou, force de frappe, messieurs Belayo. Yo sans c'était pilou. Comprenez bien, oui? Qu'on y a un imaginé et deux nègres, c'est bandit. C'est nègres qui enlisé au nan philosophie mortifère. Y a touye moun, y a croisé, y a brisé. Et puis la police font pote bourré le gars de ouais. C'est nègres qui continue à faire vidéo pour dire bon, mais qui ça la police quitte et ti moun vivant sans mieux, nous pas payer rien. Et moi pense, qui t'aime parler, les m'a parlé, faut qui t'aime parler. Kounya là nous même dit tête non pas la tête non kounya nous souhaitons nous même tout nous parler à tête non parce que nous même qu'a fait et modèle commentaire yo faut pas la tête non journée jodi à la tout pour nous dire ça qu'a passé comme ça comment la police a fait une opération et puis mais ça qui était donc c'est la police qui quitté gain balle gain armes donc apparemment nèg yo couri et si la police couri ouais gagné la police qui confirmait nouvelle gagné trois agents SWAT qui ont même blessé légèrement. Et gagné un premier élément d'information qui t'a véhiculé, faisant croire que c'est à 5 policiers qui blessés dans le cadre d'opération. Écoutez, la police, comment pile moun bavle m'bon conseil, moi m'a continué bon conseil.
li évident pour rassembler force ou. En pile fois, l'on en bataille avec un nèg, ou est qui salvo, ou est force de frappe li, li possible pour nan l'autre confrontation ou capable d'appel. On prend le cas de Mike Tyson. Mike Tyson a frappé, l'a frappé. Mais l'on prend Evander Holyfield, li suiv Tyson. Li cherche à comprendre comment Tyson goumen. Li connaît Tyson. De pour fin fait 3 rounds avec lui. Li pas prend, li pas mettre au KO. Li n'est pas capable de désespérer dans la bataille là. Eh bien, c'est ça. Li t'appelle, li fait le neve jusqu'à ce que li mette Tyson KO. Je ne j'en dis à là, nous pensons que la police doit entrer dans la logique rassembler force li. Et l'elfin get tout ça pour le gagner en mêle. La quoi dans la capacité parce que à plusieurs reprises, et pense que la police nationale d'Haïti li mesure li ensemble avec monsieur yo. Eh bien li wè ki sa yo vo. Donc nous pensons que chef de la police et faut qu'on étudie de nouvelles stratégies parce que si gagne matériel k'ap vini et pendant n'a parlé là faut que nous dit que gagne nouveau matériel qui entre mais nous toujours poser question ça pour me dit moun ki a la manœuvre là. C'est moun nou pa ka kwen nan li, c'est moun ta kapab di ki a bataille pieds et mains pour que nous kapab plonger pi mal nan sa nou la. Nous pa kapab espérer à grand chose et Sylvini bravo parce que fuck nous sorti nan sa nou ya. Mais la grande question c'est qu'on est comment on a fait sorti? Hein? Parce que si à chaque fois où est la police a tenté frapper comme ça. Et puis c'est ça qui répétait. Donc, qui ça nous va dire tête non? Et pour matériel yo, est-ce que gagne espoir? Yo annoncé gagne hélicoptère qui va venir. Yo annoncé gagne l'autre matériel qui va venir. Et bien peuple haïtien lui-même li obligé à attendre pourquoi elle est là. Pendant la police t'a toqué conni avec monsieur Beléyo, et bien gagne deux zones yo même qui en conflit. Eh bien, zone sa yo, yo toujours avoué coup de balle youn sou l'autre. C'est La Saline ensemble avec Wav Jérémy, Bout de Jean-Jean et Mikanor. Et finalement, faut que nous dit que malgré toute parole, toute, nous t'a capable de dire médiation qui joue entre nèg vivant sans yo, pour t'a capable de permettre que bataille sa li font suspend, eh bien, nèg yo toujours continuer à avoué coup de balle. Et dernièrement, nous avons moun La Saline qui ont même levé campé, qui fait un dévoyé pour dire que yo pas comprendre ce qui a passé parce que depuis quelque temps là, nèg mikano yo empêché yo vivre. Parce que pas oublier, et pour moun qui connaît zone ça bien, si par exemple vous sortez dans la station Gonaïve, ou ap descend, ou prend côté station Inch à Port de Pétayé, et puis ou entrez à droite, c'est Wav Jérémy. Mais à quelque part de là, c'est La Saline. Donc, c'est Negyo qui toujours sorti dans Wav Jérémy pour aller voir bal La Saline. Et dernièrement, là, dans quatre batailles qui te gagné, tous deux groupes yo fait mort. Au point que Mikanol est même fâché parce que, ben, il y a un pile soldat qui tombait. Eh bien, bataille li a continué pendant la police lui-même, il a voué bal. Ensemble avec Neg Beléyo, Neg La Saline, ensemble avec Neg Wav Jérémy, a voué bal. Big erreur, je pense que l'État a fait, c'est. Pas chercher diviser monsieur vivant sans yo. Puis gros erreur l'État a fait c'est quitter on sait deux nèg qui te gagne position divergente qui toujours gagne mais qui finalement adopté en position commune pour capable pas connait qui côté ou veut arriver parce que bandi pas jamais gagne objectif mais quand même yo arrivé en temps yo sous la forme et puis pour capable faire un front commun pour bataille face à l'autorité. Parce que, vous ne pouvez pas comprendre. La police, ou bien pas qu'on est responsable dans le gouvernement, est capable de battre tout. Parce que si longtemps, vous êtes capable de battre pour mettre des armes dans les bandits, vous êtes capable de battre tout pour empêcher la coalition de se former. Mais le problème qui gagne, comprenez bien, oui. Quand il y a un alchita sous position communauté internationale, ou songez, les G9 sont formés. Qui est-ce qui te bat bravo pour G9? Qu'on y a comprenne bien. Donc, par le fait que on sait de gang yo font faisceau, communauté internationale la li content,
comprenez? Mais sous papier, l'abdou, oh, et pays, ça a plongé totalement dans l'instabilité, et son menace pour région, il faut que nous fassions pour nous résoudre le problème. Et puis pourtant, discrètement, il y a bat bravo. Eh bien, c'est pour me dire que l'État est supposé prendre responsabilité, créer une série de divisions, parce que je ne dis à là, par le fait que yo mettez tête ensemble, c'est seulement deux zones qui peuvent arriver en temps. Bref, donc l'État joue pour où? Ou un pays qui a fini, ou un pays qui a crevé, eh bien, il faut au moins nous montrer que nous sommes capables de faire des choses. Même si en pile monde dans la population n'a pas espoir que nous sommes capables de faire des choses, mais au moins, fais-nous honte. Nous quoi dans où? Nous t'ai parlé de dossier Louis Gérald Gillan, qui lui-même t'ai parlé pour dire que sans pile tractation, et tout ça qu'a dit, c'est coup d'épée dans l'eau. Et il parlait, nous pouvons le permettre tout en d'elle. Mais juste avant, qui t'aime dit non, gagne citoyen, 14, qui lui-même fait une petite vidéo là pour demander excuse. Ok? Pour ça, nous t'aime. Et nous connaissons qui ça qui t'est passé. 14, qui lui-même fin fait vidéo ça pour demander excuse. Et par la suite, pral gon scène de jalousie. Pral gon vidéo qui pral circuler à travers les réseaux sociaux. Vidéo qui montrait que 14 a fait jalousie parce que. Comment il s'appelle le type c'est Timoun Mibale, Lokodai. Donc, monsieur est passé, monsieur fait 14 fait jalousie, monsieur est couché, et fissa, 14 t'a baillé plaisir. Et puis, c'est comme ça, bagay la fini. On a le suivre. Regardez, depuis nous avons un monde qui est lié déjà, 14 dit chez lié. Donc, je dis tout fanatiquement, je sorry. Pour ça qui est circulé sur internet là tout côté ça domine ça même rend moi fou même ma femme qu'on aime des non relations toxiques et ça qui fait ça arriver ça veut dire pour film parce que me te bail comme là qui me te remet et il choisit publier vidéo moi ça qui fait la faire viral sur ma baisse tête moi bien bas devant toute fanatiquement yo pour me dire nous sorry et moi avec nous pas ensemble encore sur ba j'aime taille ba qui moi pour ça arriver sur ma de toute fanatiquement sorry. Et maintenant, on enchaîne avec Louis Gérald Gilles, qui lui-même estimait que le dossier BNC, hein, c'est un prétexte pour capable, capable de tramer une sorte de complot pour craser le conseil présidentiel de transition. Mais lui-même lui dit que il a pour le servir pays, il est là jusqu'au bout, mais. Est-ce que question pour ta capable permettre ULC s'étendre, il était évoqué parce que les deux autres membres
qui c'est conseil présidentiel, eh bien, yon même yon prêt pour aller devant ULCC. Et dans le moment où on a parlé là, nous par contre, si yon pas déjà auditionné par même ULCC, quant à l'autre, Gérald Gilles, lui même lui dit que c'est une série de complot qui a fait par beaucoup de conseils de monde dans la société hein, pour être capable de craser conseil présidentiel de transition. Écoute, j'ai eu une première rencontre avec le monsieur Raoul Pierre-Louis, qui dit nous exiger. Mais pratiquement, moi, je n'étais pas au courant de cette rencontre au départ. C'est l'ami du CP Smith-Augustin, un ami du CP Smith-Augustin, qui a invité me la rencontre. Mais avant cette rencontre, je dois dire que le formalisme bancaire étant respecté, un service BNC te vin offrir un carte de crédit. Et puis, monsieur dit, moi, mon cher, je t'ai remis pita ou rencontré avec et il vient nous rencontrer dans la chambre 408 à l'hôtel Oasis. L'embrivé dans la chambre. Chambre ça, pour qui est-ce qui l'a donné? C'était la chambre d'un ami. C'est pas chambre Smith-Augustin que tu es? Non, c'est pas la chambre de Smith-Augustin, un ami à Smith-Augustin. Ils m'ont invité. Disons, il m'a invité. Puis l'embrivé. Smith vous a invité ou l'ami vous a invité? C'est l'ami qui m'a invité. Ok. C'est pas Smith-Augustin. Donc l'ami, c'est une amie ou un ami? Non, un ami. La chambre a une suite. C'est okay. Un bureau là-dedans, nous t'es chita. Et puis, il aime paraître. Et puis, qui est-ce qui s'amène? Raoul Pierre-Louis. Et puis, dès le départ, moi, Dinegio, Raoul, que je connais depuis longtemps, la femme de Raoul Pierre-Louis est la marraine d'un de mes neveux. Pour me prouver, relation nous très, très... Bon, pas très close, mais quand même, il y a une relation même familiale par rapport à sa femme, qui est la bonne amie de la femme de mon frère, qui est même la marraine de mes neveux, fils de mon frère. Donc, on se connaît. Donc, on est habitué... Ouais, par exemple, pour mon anniversaire de mariage, de 25 ans, je t'ai même invité pour me prouver. Il a été assis sur la table d'honneur. C'est ton ami. Bon, ceci dit, Wendell, malheureusement, l'aile paraît, connaissant, moi dit, ah, Raoul, soit vous faire là, comme si vous avez une folie pour venir président BNC toujours, par rapport à tempérament difficile, ou pas, j'en fait tout conseiller qui était à vous, au courrier. Dis, soit vous chercher là, soit besoin là. Je dis, monsieur, j'aime faire 4 de crédit, et pas BNC, mandé pour me faire 4 de crédit. Je dis, monsieur, je ne comprends pas. Même pas comprendre ce qu'on vient de faire là. Et puis là, après, j'ai fait une plaisanterie, il me dit, monsieur, il n'y a pas une picoute toujours. Parce que c'était un ami, je ne connais pas aimé, il a dit le coup. Il me fait plaisanterie. Hein. Et puis, on a discuté. Il a dit carrément que oui, pour lui-même, il a fait du bon boulot à la BNC. Il me dit, oui, mais comment on fait sous 5 membres, c'est 2 traités. Toi, l'autre, même, il dit, couille pour où? J'étais un peu dur avec lui. Après ça, cette rencontre, c'est sur ça que nous discutons. Comment il a dit, parce que c'est normal, Wendell. Il y a des gens qui trouvent que je ne suis pas supposé rencontrer un président BNC. Mais Wendell, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tout le monde qui a besoin de ministre, qui a besoin de directeur général, monde qui a besoin, même le premier ministre Gary Conille, il nous a pratiquement harcelés, nous tous, les CPT. Il relait tout le monde 1h, 2h du matin pour le faire démarche, pour le faire campagne, pour le vivre premier ministre. Et je pense que c'est une non bagage, c'est cette assiduité dont il a fait preuve. Cette constance qui est une non bagage qui fait que M. Rélé. Il fait plusieurs mounes relé l'anol. Il y a eu même des appels, bon, nous ne pouvons pas parler de ça, de mounes pour le capable d'arriver à convaincre les CPT. Qui genre de monde, par exemple? Non, on ne parle pas de ça. Okay. Donc, c'est parce que... Très bien. Maintenant, bon, faut-il qu'on pour président. Et, un ami de M. Augustin vous invite dans sa chambre 408. C'est ça. Objectif là. Pour rencontrer... Parce que, bonjour, écoutez. Moi-même qui... Pas grand-chose, pas gagne autant d'importance qu'un président... comme président de la République, vous l'êtes, même si c'est membre au conseil courrier.
Nous sommes en invité, nous disons, dans la chambre, hôtel, côté les présidents. Faut le dire, faut qu'avant, nous avons ça. Faut le dire, même si nous bien avec lui. À moins que nous habitués à rencontrer des jeunes, par exemple, nous habitués à connaître des gogues, nous ensemble, sont à une connaissance. Mais nous trouvons que les petits, c'est un petit peu osé quand même. Alors que le président était censé avoir plein de choses importantes à régler. Non, écoute, je ne peux pas passer par quatre chemins. Wendell, Raoul n'était pas le seul. Il y a plusieurs monde qui ont besoin de rencontrer ces PTO. Pour des postes, c'est normal. Maintenant, où rencontrer ces gens? Moi-même, Abdou Libyen, je dis, mais dans, même dans le cadre de sécurité, nous, mieux vaut que moi-même, je chita dans l'hôtel, je discute avec un monde en matière de sécurité, au lieu que moi-même, mal mettre mon bureau. Par exemple, actuellement, j'hésite à avoir un bureau en dehors de la villa d'accueil. Parce que le pays a une grande insécurité. Je ne peux pas prendre un bureau à un monde. Maintenant, la chambre ayant une suite, nous sommes dans la suite, là, nous parler. C'est ou qu'à penser le bizarre, mais on rencontre plusieurs personnes niveau-là. Merci pour l'explication. Mais un petit détail, besoin de tout. Cette histoire de soirée de gala, de participer là-dedans. Avec lui? Non, c'était pas une soirée de gala. C'était quoi? C'est la deuxième rencontre. Ok. C'est vrai, bon, c'est pas, je sais. Mal emploi était mon gala. Oui, donc, c'est un dîner. Donc, c'était un dîner et Mabdou Libyen, c'est la deuxième rencontre. On a eu seulement deux rencontres. Et je sais, par exemple, que Raoul Pierre, lui, il a rencontré d'autres CP plusieurs fois. Nous, je l'ai rencontré dans cette chambre, il y a invité, il me dit, Nakali. Et pourquoi j'ai été à ce dîner qu'il a préparé pour nous? C'est maintenant ma première. Définitivement, il était. Et depuis les ça, je me sentis piégé, monsieur. Après, oui, le recul. Et ce dîner, ça fait moins d'accord, aller en compagnie de Smith. Et Vertiller ne pouvait pas ou bien. Je ne sais pas. L'essentiel, j'ai oublié exactement l'essentiel. Moi, j'ai été. Et Malé, c'est surtout par rapport à la sévérité avec laquelle je me suis exprimé lors de la première rencontre. Vous pensez que c'est pour te présenter, monsieur? Non, c'est pas pour présenter des excuses, c'est pour atténuer les choses. C'est un ami de la famille, et puis il me parle sous monsieur, il me dit, monsieur, ou tellement son nég... J'ai employé un mot, le mot anglais, les deux mots anglais, MF, ou tellement bizarre. Je connais qu'on est tant qu'on parle de monde qui va vivre avant. J'ai été un peu dur. Et puis à ce moment. Alors, MF. Oui. MF. Dans son tempérament, ce n'est pas quelqu'un facile. OK. Donc, mais le fait que je t'ai fait, je t'ai trouvé que c'est normal. L'invité me vient manger avec elle. Toujours dans le cadre. J'ai même écrit, l'empereur m'a dit, Raoul, arrivé chez lui, il me dit, ah, où sont mes coulants? Ces deux CPT peuvent t'entendre. Mais un conseil de la BNC, vous devez avoir 5 voix. Selon le principe de la majorité qualifiée, ce n'est pas 3 personnes qui mettent un président BNC. Mais j'ai été quand même chez lui. Il m'a reçu. Ce n'était pas une soirée de gala, mais je reconnais. On a bu. Et bon, parfois, j'aime bien mon verre, c'est normal. Bon, ce n'est pas un péché. C'est peut-être un péché mignon, mais ce n'est pas... J'aime bien mon verre, donc on a bu, on a discuté. Ah, mais le vin de Lila Lang aussi. Donc, non, le vin, je me souviens parfaitement bien de tout. Il y avait des... Parce qu'on a cassé quelques bagages et tout. Après, on a mangé, et puis j'ai eu un aparté avec lui et Smith. Je lui ai dit, Raoul... C'est important. Raoul, il y a des amis que j'ai dans la cité. Je ne connais pas le fâché avec eux. Ils pensent que lui, Gérald Gilles, a l'autorité d'installer un directeur général, un président de banque. Je n'ai pas cette autorité, Raoul. Il y a des gens jusqu'à présent qui font des démarches pour leurs proches. Et je dis, au niveau de la DGI, au niveau de l'ONA, au niveau de toutes les directions générales. Et ils peuvent témoigner que moi, je leur dis toujours, mon ami, je suis désolé, vous devez avoir 5 voix. Ce n'est pas ma voix qui compte. Et au pas pour mettre les pour influencer l'autre mounio. Je lui ai dit que je peux tenter auprès de ces deux CP. Mais ces deux CP m'ont dit, bon, Gérald, et pour te connaître, ou pour qu'on ait
que monsieur c'est tel Jean lié me dit mon ami j'aime parler Dieu à monsieur il faut que nous devine parler avec lui. Mon cher Wendell, dans toute cette histoire, ce qui m'a étonné, c'est de voir avec recul, heureusement que je ne suis pas né de la dernière pluie. Il y a eu des discussions, des échanges entre lui et moi au niveau de mon WhatsApp, de mon téléphone. Les WhatsApp échangés, moi, je me rends compte qu'il fait allusion à quelque chose que j'aurais demandé. Et dans ces WhatsApp, je lui ai dit clairement, Raoul, il ne peut pas y avoir une histoire. Je ne peux pas. Je ne peux pas qu'il y ait un rapport. Comme à où tu es un frère. Moi, je dis Raoul, je privilégie fraternité et sociabilité. Pour qui ça va parler de l'argent? Mon côté, elle même dit, et pas faute, mais si je ne pas de dit, monsieur, tu parles de quoi? Le téléphone est là. Bien, excusez-moi. Non, mais quoi qu'on parle avec un journaliste ou partager WhatsApp ça avec lui, me détendez le. C'est vrai tout ce qu'il a dit, le journaliste. Et dit ça non. Peut-être que ou m'avez obligé de dire, je t'ai montré quelques messages. Oui. Ou montre quelques messages. Et pourquoi j'hésite maintenant pour ne pas faire procès verbal là? C'est par rapport au procès verbal de M. Raoul Pierre-Louis, un procès verbal qui est tellement faux. Un procès verbal qui est tellement pas respecté la vérité que j'ai changé avec elle. Côté monsieur supprimé, tout côté moi dit, m'pas qu'à n'a fait l'argent avoir, ou son ami ou son frère, m'pas qu'à blanc ça. Côté le message là, il supprimé, il fait des altérations graves. Ce côté rapidement échange ça yo, entaché de beaucoup de mensonges. D'altération, de suppression et même d'inversion. Mais est-ce que monsieur peut penser, moi qui parle avec elle. Non, mais écoutez, docteur Gilles, vas-y. Son monde que vous avez de bons rapports bon, avec lui, c'était plus qu'une connaissance. Comment imaginer au monde que, qui t'invite au la Kaili, ou boire, ou manger la Kaili, et puis un beau petit matin, t'as concocté bagaille ça contre tout. Est-ce que là, on dit que monsieur pas pour compte lui dans le travail ça qu'il a fait, ou bien monsieur te gon mission que te voulait le venir exécuter, et puis bon, lui même, il a fait le pour qu'on dit qu'il comprendre ça. Mais, dans des paroles avocat lui, écoutez, l'autre des avocats qui a parlé, docteur Gilles, c'est plutôt archi grave. Ça que fait là. Entre les deux, il y a un qui met parole en bouche l'autre, ou bien Raoul met parole en bouche l'autre, Raoul imagine un scénario macabre contre toi. Je pose des questions. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le type a tout simplement inventé une histoire Aidé par plus d'un, sans nul doute. Mais moi, je dis que. Ou bien, oui, de qui côté voilà le procès verbal que j'ai, ou même le juge d'instruction reconnaît qu'il y a eu des suppressions de messages. Le juge de paix, où il y a pratiquement des messages qui ont été altérés. Ce qui est encore plus terrible, il y a des échanges que j'ai eu avec lui. Alors que moi, je pense, j'ai la chance de pouvoir maîtriser la langue française. Mon bon faux tête chargée qu'il a fait exprès toujours pour me dénigrer des fautes. Bon, les cas d'autres que lui-même, tous les connaît, il s'y connaît en français parce que quand même, non. Être président de oui, conseil d'administration ça, de banque. Ça fait partie aussi du caractère assassination, de l'assassinat de caractère. Écrire des phrases tout à fait sans style, sans façon, venant de lui, Gérald G, que la société connaît. Je ne me dis pas, je suis un grand intellectuel, mais je pense avoir cette fierté de dire que je maîtrise la langue française, que j'aime beaucoup. Donc, on écrit ça en vieux français, ça fait partie de ternir aussi mon image. Ceci dit, tu as posé une question qui est extrêmement importante. Il était en mission. Mais m'a expliqué au monde que... Vous voulez que je vous arrête un moment, docteur? C'est ça.
il était en mission par qui? Qui l'a envoyé? Et deuxièmement, s'il était en mission, il a dû être mandaté par quelqu'un ou par quelques-uns du pouvoir. Or, c'est lui la victime. Pourquoi? Pour que ça, c'est les mêmes encore qui est révoqué. Et qu'il n'a pas été reconduit. Pourquoi? Tu sais, dans toutes ces histoires-là, et je peux même... Dans toutes ces histoires-là, ça finit toujours ainsi. Quand on se fait utiliser, quand on est l'idiot utile, on finit par couper tête tout. On ne peut pas rentrer dans aucune logique de tension au niveau de ce pays. Je me rappelle Wendell, où son scandale qui était fait la caille. Scandale, ça a été fait, c'est parce que moi-même, moi animé de cette bonne foi de trouver l'harmonisation entre le CPT et le gouvernement, entre le PM Gary Conny et le gouvernement. Tempérament, lui, Gérald Gilles, je ne veux pas de crise, de tension dans le pays. Donc, Mabdou bien, oui, mais il y a quand même lettre de cet avocat-là. Moi, je dis, ça m'a un peu ému. Mais c'est pour ça que je n'ai pas réagi au départ. Je t'attends d'autres informations. Et finalement, on a vu dans ce paragraphe où il a dit, où il s'adresse au Premier ministre Conny, quand il dit, cette enquête a été initiée suite à la correspondance que M. Pierre-Louis vous a adressée et que vous avez transmise à la direction de l'ULCC, de l'Unité de lutte contre la corruption. En accomplissant cet acte, vous avez engagé l'administration de l'État à poursuivre les trois conseillers impliqués. C'est la lettre de son avocat, de l'avocat de M. Pierre-Louis, au Premier ministre. Cela veut dire, cette lettre qui lui a été adressée le 24 juillet a été acheminée à ULCC sans preuve, sans rien. Or, la loi dit, si vous envoyez une plainte, il faut auto-accompagner de preuves. Aux tentatives de preuve, là, une fête le lendemain, le 25 juillet, parce que le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Ils ont été très maladroits et pour montrer que le puzzle a été mal monté, comploté, mal fait. Mais n'empêche, je ne veux accuser personne. Mais pourtant, on vous accuse. Non, j'ai le statut de président de la République. J'ai les prérogatives présidentielles. Les bagages sont arrivés. On doit rester calme. Et je n'ai pas du tout l'intention d'entrer en conflit avec personne. Mais quand même, cette bribe de phrase m'a ému, m'a profondément choqué. Surtout quand une autorité a me parlé de dossier, je lui ai dit il n'y a pas de dossier. Et aujourd'hui, l'ULCC n'a rien qui puisse prouver que moi, lui, Gérald Gilles, Smith ou autre, nous t'a exigé, même dans ma façon de vivre. Est-ce que ouais, Wendell ou qu'on aime, parce que nous avons vécu pratiquement map de jeunesse ensemble, mais tu connais le personnage du Gérald Gilles. Ouais, moi-même, quand paraît son aigle, mon cher, exiger veut dire, faut qu'on bombe 100 millions de gouttes pour me mettre au président. Est-ce que ces expressions maladroites. Donc, vous avez fait l'autre genre, on voulait dire. Voilà, je suis honnête. Vous avez fait l'autre genre. Donc, expression que moi m'exige. Donc, moi, lui, Gérald Gilles. Donc, c'est pour toi, et pour vous montrer, si t'es en logique comme ça, oui, il n'y a pas eu cette logique. C'est un monsieur obsédé qui vous fixait par l'ambition de rester à la BNC, parce qu'il y a des scandales qu'on doit toujours protéger à la BNC. Il y a même, j'ai entendu le docteur Kwa, qui est au Canada, qui a dit carrément ceci, c'est de l'enfumage, cette histoire de toi, conseiller ça, c'est de l'enfumage pour cacher la vraie vérité. Parce que, pas oublier, c'est après le vote du conseil de la BNC que toute bagasse a ressorti. Donc, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord peut-être avec ce vote. Mais pourtant, moi, personnellement, Wendell, je n'ai aucun... C'est important, la BNC, mais ce n'est pas pratiquement mon dada, puisque je ne suis pas financier, je ne vais pas gagner pour moi, mais quand même, il y a eu un vote. Complot ça.
complot ça. Gen bagay même sou pa di là, même on a envie comprendre. Est-ce que tu as gen des mains dans CPT en qui derrière tout? Et j'ai fini par le comprendre, malheureusement. Mais attention, au niveau du CPT, il y a une grande harmonisation. Il y a une grande concorde. Et je pensais, j'ai entendu à la radio que nous avons un problème avec la commission interne d'enquête. Non, avant d'arriver sur ça. Donc, c'est pour vous dire que... Est-ce que selon vous... Moi, pensais que je n'ai pas le droit d'accuser un membre du CPT. Même si vous avez un soupçon sur lui. Je n'ai pas le droit d'accuser un membre du CPT. Mais on connaît que si vous avez un complot, il n'y a pas qu'à sauter dans le ciel, il n'y a pas qu'à sauter dans le bateau. Mais il faut comprendre que, n'oublie pas, en plus de ce procès verbal entaché d'irrégularité qui ne respecte pas la réalité, c'est là. En plus de ça, Mdou, il y a eu cette lettre qui a été adressée à ULCC, à l'OSCU qui n'a pas respecté les procédures. Et voilà, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Bon, dis à mes amis proches, vous pouvez abonner à la chaîne. Et puis, pas oublier ben, nos petits pouces bleus hein, pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!